Coucou mes chéris, bonjour Maya, bonjour Denis, bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Allô, allô. C'est Barbie Chétif à l'appareil, on se retrouve dans les conditions du direct et de la découverte pour cette 1683e revue de merde avec un jeu qui n'est-il pas merdique du tout puisqu'il s'agit de NHL Face Off 99. Donc là cette fois-ci j'ai bien appuyé sur enregistrement de la capture. Sans rosser. C'est parti rapide pour un petit peu le maniement. Et voilà. C'est un jeu de hockey. Waouh. Start. On peut pas quitter le. On est obligé de se taper un hymne de merde. Refaire. Alors. Pousse-toi. Oh putain, on comprend rien, on comprend rien. Par contre, c'est super beau. Mais à qui tu fais la passe? C'est quoi ce bouton? La passe, c'est avec X. Quoi, explosion de vitesse avec rond. Allez, vite. Putain, charge, rien que ça. Putain, c'est brouillon. Pousse-toi, chiche, pousse. Comment on sait qu'il s'est calé? Oh bah non, c'est vraiment pas clair. Hein. J'essaye de vous suivre par moment, mais là, vous êtes pas clair. Hein. C'est plutôt ça que je dis. Allez, fais ta passe, lâche. Putain, mais il marche pas, le goal. Putain, je laisse appuyer le bouton carré, je lâche et ça marche pas. Allez, vite, hein, y a trop de... Alors, j'avais testé, je sais plus comment c'était, Inc, Rock in the Ink ou The Sink, là, qui était super... Là, on voit pas, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre au niveau des palais. Et quand on a la balle, le curseur il est violet très très clair. Et la caméra elle change pas. Non, non, c'est pas clair. Hein. Vous me direz, il n'y a pas besoin de mettre de l'ombre pour un palais. Mais oui, quand il est en l'air et qu'il rebondit, on ne sait pas s'il rebondit. Non, il n'est pas top ce jeu. Il est vraiment pour les fans de hockey qui ont rien dans leur vie. Parce que là. Mais pourquoi t'as lâché? Bouba, putain, oh. Putain, mais en plus il part. Non, non, c'est brouillon, hein. Même en jouant mal. Il est pas assez arcade. Allez. On n'a pas le temps de mener, on dirait c'est le jeu. Le but du hockey, déjà que le hockey en soi c'est atroce à regarder, à pratiquer aussi. Alors dans un jeu, si c'est pas simplifié, on comprend rien. J'ai joué 2-3 minutes, mais j'aurais préféré vous jouer... Putain, j'ai joué 50 minutes. Ouah, et le bruit. J'ai joué 50 minutes à Quake 2, simplement 2. J'ai pas vu le temps passer, mais comme un con, j'ai pas enregistré les 40 premières minutes. Allez, pousse-toi. Et là, au bout de 4 minutes, j'en ai déjà marre de ce jeu. D'accord. Alors, triangle, drop pass. Passe dirigée X, tiré carré, explosion de vitesse, rond. Passe envolée X plus carré, ok. Quand on est en défense, X pour passer le joueur le plus proche. Ah, d'accord. Et après, mais pour piquer la balle, c'est avec quoi? Il n'y a pas marqué rond. Explosion de vitesse, charge avec l'épaule. Ok, affrontement. Mouvement spécial. Bon, il y a plein de L1. Changer les stratégies. L2, assigner les icônes. Ouais, bon. Et le problème, c'est que c'est tellement rapide et... allez, c'est tellement rapide et qu'on n'a pas le temps de... C'est plutôt brouillon. Il n'y a pas d'ombre au niveau des personnages. On a l'impression qu'ils flottent. Alors, par contre, j'ai pas vu s'il y avait des caméras. Options. Est-ce qu'il y a des options de caméra? Parce que dans les jeux 3D, c'est surtout dans les jeux de foot. Dans les jeux de foot, on avait ça. On pouvait changer... Les options de caméra. Ah oui.
Caméra angle. Caméra angle. Moi je préférais. Allez. Est-ce que ça a marché? Mais ça fait pas 3D. Hein. Allez, dépêche-toi! Putain, qu'il y a que des temps morts de merde. Ah, là ça serait peut-être mieux. Là, là je suis d'accord. Là on est d'accord. Ouais, mais ça reste dans les grisâtres. Allez, on comprend. Allez, mais pousse-toi, j'ai pas fait triangle, j'ai fait carré. Quand je fais triangle, il envoie la balle en l'air. Comme si j'ai fait un drop pass, c'est pénible. Hein. Oh putain, j'ai loupé le tir. Est-ce qu'il y a un replay? Est-ce qu'il y a un replay? C'est un vrai jeu ou pas? Instant replay. Allez! Oh putain, poteau! Poteau! Là, j'aurais pu faire un. Non, le palais, il est pas trop mal fait. Pousse-toi! Putain, c'est bon, hein? Aïe! Ah là c'est mieux, c'est plus clair. Putain, Frizzle Bouda. Mais pousse-toi, putain, oh, pousse-toi. Oh putain, quand on a... Pousse-toi. Allez, temps de chargement, on a ras le bol. Oh putain, il s'est pris un boulet dans le cœur. Pousse-toi! Je comprends rien, on sait pas qui a la balle, que c'est mal fait. Putain. Pousse-toi! Pour l'instant, il n'y a pas que moi qui me loupe. Allez, cours, courge. Mais en même temps, c'est un jeu stressant à la base, le jeu de hockey. C'est pas clair. Allez, tire. Comment on peut mettre un truc en... Alors le terrain est grand, là, c'est mieux que les jeux sur Super NES, parce que le terrain est plus grand, mais c'est pas pratique à jouer. Aïe! Oh putain, c'est atroce. Après, les matchs de hockey, il n'y a pas 20 buts à 2. Hein. C'est souvent du 2 à 3 grand maximum. Hein. Allez, hop, on appuie sur triangle. Quand on a la balle, c'est des faux petits bonheurs à la chance. Boum. Allez, putain, j'avais fait une 2. Mais non, mais c'est quoi? En fait, ils disent qu'il faut laisser appuyer pour tirer, mais si on laisse appuyer trop longtemps, même pas une seconde, on a le palais, il s'envole. Oh putain, vite, vite! Putain, mais je peux marquer un but! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Non, ça va, ça devient sympa le jeu. Vu comme ça, c'est assez coulant. Il est pas dégueu. Après, j'aime pas le hockey, donc ça me... Allez, pousse! Mais oui, il vole, on sait pas, on comprend.
On peut pas faire des reprises de volets. Mais non, je me suis trompé. Ouais, c'est ça, tout est dans l'interception. Hein. Allez, putain, le goal, c'est atroce quand il fait la passe. Il met une heure, le lourdeau, là. Ah oui, parce qu'il faut lâcher le... Allez, mais tire, couille! Aïe! Oh putain, vivement que le match arrête, parce que moi j'ai mon pot d'espiou là. Start, 2 secondes, le tir c'est quoi? Je comprends rien. Le tir c'est carré. Et oui, moi à chaque fois je fais l'inverse. Et pourquoi il envoie en l'air la balle? Putain, mais ils m'ont pas changé les boutons quand même dans ce putain de jeu de merde. Oh, j'en ai ras le cul là. Oh putain. Start, on va quitter. Alors, juste regarder injury report, game stat. Quitter. Non, le jeu est complet là. C'est un... Alors, c'est pas Electronic Arts. Mais moi, ce genre de. Je préfère si c'est plus fun avec une esthétique de speedball ou de soccer slam ou ben, Inc. Je sais pas quoi, la Rings, je sais plus, torche cul, hein, que vous avez testé, ça c'était bien. Mais quand c'est un parti pris trop comme ça, simulationnesque, ça me gave. Sur ce, ciao Pupito pour une prochaine vidéo et à plus mes puces.